Alors oui, on est ici donc sur la commune de Castries, à une quinzaine de minutes de Montpellier. On est en AOP Languedoc, en AOP Languedoc Grès de Montpellier et en Seine-Réserie. Et tout notre vignoble est classé en agriculture biologique. On a voulu faire un concept innovant et en éco-construction et en éco-tourisme. Donc on a développé en 2010 quatre cabanes perchées dans les arbres. Ce sont des cabanes qui sont à destination des familles et des couples. Donc on peut accueillir les enfants à partir de 2 ans. Ces cabanes sont nichées tout au bord des vignes et elles sont donc entre 4 et 7 mètres de hauteur. L'accueil type de notre domaine, c'est de faire vivre une expérience à nos hôtes. Donc ils arrivent sur l'exploitation, on leur fait visiter donc notre cave qui est gravitaire. Donc on les immerge à l'intérieur de cette cave, on fait une dégustation après au caveau qui est labellisé à l'Enotour. On leur amène le repas avec des accords mets vins, on a la dégustation au petit déjeuner avec notre jus de raisin qu'on leur fait goûter à cette occasion, et après ils peuvent faire aussi une expérience dans le vignoble avec une randonnée où on a une chasse au trésor pour les enfants, et on a un parcours donc de 3 et 6 km qui entoure notre vignoble et que les gens peuvent faire librement. Donc c'est une vraie expérience qu'on fait vivre à nos clients. Alors nous produisons donc plusieurs types de vins, nous avons 6 vins au total, on a aussi 2 méthodes champenoises et du jus de raisin. Mais pour parler de nos vins, on a donc rouge, blanc et rosé qui sont produits en AOC Languedoc, mais aussi donc en Grès de Montpellier comme je le disais précédemment, et en Seine-Réserie. Le blanc, donc, c'est le vin le plus typique de notre production, c'est notre produit phare ici au domaine, c'est le blanc gourmandise. Donc, il est issu de 5 variétés de raisins, les cépages Marsanne, Roussanne, Viognier, Grenache blanc et le Rôle. Et donc c'est un blanc avec une belle complexité, un côté un peu acidulé et qui se marie parfaitement avec des coquillages et des poissons. Donc vous pouvez passer un moment sympa, boire l'apéro, profiter des cabanes et rencontrer un vigneron, donc on vous accueille avec plaisir.